Eh bien, ça, Tujeri Kamgor, c'est deux, j'ai partagé vous un témoignage d'un membre de la formation au Gabon qui, avant, vendait un AirPod par semaine. Grâce à mes stratégies, s'est retrouvé à vendre 5 AirPods par jour, pour un chiffre d'affaires de 350 000 par semaine. Il témoigne également que grâce à ce chiffre d'affaires, il arrive à générer un profit de 210 000. Je laisse écouter son témoignage. Donc, par semaine, j'ai 350 000 francs de chiffre d'affaires. Et de bénéfices, j'ai 210 000 francs de bénéfices par semaine. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Je m'appelle Monsieur Ulrich, je viens du côté du Gabon. Je viens comme ça faire un témoignage concernant la formation de Monsieur Jerry Kamgan sur FBWA. Bon, en ce qui me concerne, j'ai vu sa publicité sur le fil d'actualité Facebook. Bon, j'ai été un peu sceptique parce que je me suis dit s'il fallait envoyer de l'argent à un inconnu, ça devrait être compliqué. Mais après, je me suis dit bon, je vais essayer. Après peut-être 3 mois quand même, j'ai beaucoup hésité. Je l'ai contacté, on a discuté. Il m'avait proposé de passer à l'action, d'arrêter souvent de réfléchir. Parce qu'au fur et à mesure on réfléchit, les autres sont en train d'avancer. Je pense que c'était de l'arnaque. Mais après peut-être 3 ou 4 mois, j'ai pris mon destin en main. J'ai envoyé des sous. Après avoir envoyé des sous, finalement, j'ai été introduit dans un groupe WhatsApp qui est le sien et un groupe Facebook en même temps. Et sur ce, j'ai commencé à apprendre à faire la publicité Facebook. Mais je vous assure que tout le temps que je vendais sur Facebook et sur WhatsApp, vraiment, c'était de l'amateurisme. En fait, je me suis rendu compte que j'étais en train de perdre mon temps. Et puis après, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas nécessaire d'investir dans une boutique physique? Je me posais déjà assez de questions, en oubliant même que en cherchant à ouvrir une boutique physique, j'allais dépenser plus d'argent. Et je me suis battu, malgré que je fais un autre boulot, je me suis battu comme j'ai pu, j'ai investi de l'argent. J'ai pris du temps aussi pour assimiler la formation. Ça m'a pris peut-être pratiquement 2 mois pour assimiler la formation parce qu'il n'y avait pas assez de temps. Il y a des parties où on ne saisit pas bien. Mais après, le coach aussi, j'ai eu un suivi de 3 mois avec lui. Après, je revenais toujours vers lui et puis il essayait de m'expliquer jusqu'au jour où j'ai lancé ma première campagne publicitaire. Mais je vous assure que la campagne publicitaire, c'est autre chose. Lorsque vous vendez, vous vous dites à un moment donné que c'est de la magie. Moi, je faisais spécifiquement dans beaucoup de marchandises, mais je préférais garder ça pour rien que pour mes statuts WhatsApp. Et aujourd'hui, mes campagnes publicitaires sont spécialisées dans les AirPods. Ce sont des AirPods Pro ici que je vends. J'ai mon fournisseur qui est sur place ici au Gabon. Voilà, où je vais prendre pratiquement 4000 francs. Voilà, comme on a déjà une amitié particulière. Donc pour moi dans les affaires, au lieu de commander avec la douane et tout ce qui tourne autour, ça va demander trop de moyens. Ça c'est pour les professionnels, les gens qui sont déjà assez avancés. Donc je vais prendre les AirPods à 4000 francs que je revends à 10 000. Avec une livraison de 2000, ça me fait 12 000. Et ici, les AirPods, je pouvais faire une semaine, je ne vends qu'un seul AirPod. Depuis que j'ai commencé la campagne publicitaire aujourd'hui, je peux déjà vendre 5 AirPods par jour, ce qui me donne 50 000 francs. Donc par semaine, j'ai 350 000 francs de chiffre d'affaires et de bénéfices. J'ai 210 000 francs de bénéfices par semaine. Et je tiens vraiment ici à remercier Monsieur Jerry parce qu'il m'a rendu autonome davantage. Et aujourd'hui, je suis figé sur les AirPods, mais je crois que lorsque je vais trouver un produit un peu plus valeureux,
je vais encore grimper en matière de chiffre d'affaires. Je vous conseille d'acheter cette formation, d'arrêter de penser que c'est de l'arnaque. Parce que ça m'étonnerait qu'un arnaqueur puisse mettre une vidéo en boucle, montrer chez lui, faire des photos de lui, en famille, sur ses statuts WhatsApp. Bon, je ne sais pas trop comment quelqu'un comme ça va arnaquer des personnes et il est visible dans tous les pays. C'est pas quand même possible. Je tiens à remercier Monsieur Jerry de m'avoir rendu autonome et que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas, payez la formation.